Bonsoir les occultes, j'espère que vous allez bien. Ah, j'espère que vous m'entendez surtout. Bonsoir Adri, bonsoir Oriane, bonsoir Loïc Tota, bonsoir Ulkitissi qui utilise pour la première fois le message sur Twitch. Merci beaucoup et bienvenue. Bonsoir Colin, bonsoir Résilion, bonsoir Gaël, bonsoir Ptimal, bonsoir Mircea, bonsoir GS, bonsoir Julie, bonsoir Drefounet, bonsoir Lexidi, bonsoir Hélène, comment allez-vous? Coucou, j'imagine que du coup on m'entend. Trop content de ce live, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Un peu fatigué. J'étais pas loin d'annuler le live parce que je suis un peu fatigué. Mais j'avais envie de tester ce nouveau jeu. Voilà, je suis tombé dessus par hasard. Et du coup, j'ai envie d'essayer avec vous. Voilà. Je me lance dans une aventure, je sais pas trop ce que c'est. De ce que j'ai compris, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu brésilien. On va voir ça ensemble. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. D'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup à me suivre ce soir. Donc, ça va être un live tranquille. Pépère, on n'est pas beaucoup, on est entre nous, ça va être très bien, ça va être la reprise du live gaming, donc on va voir si tout va péter. Voilà. Bonsoir Anna. Bonsoir Lila. Et bonsoir Maxime, je suis pas sûr de t'avoir dit bon, j'avais envie d'essayer avec vous. Titre, oui, je valide. La console est réparée, alors on pourra un jour terminer la liste. Non, celle-là, elle est finie. Faut que je rachète. Faut que je rachète. Wesh, Flo est parmi nous. Comment vas-tu? Brésil, c'est bonheur, c'est plaisir. Du coup, jeu vidéo. Bonsoir. Et eh oui. Salut Océane. Donc voilà. Je teste un jeu. Voilà, je suis. J'ai ouvert Steam dans l'après-midi. J'ai fait. Oh tiens, un nouveau jeu que je ne connais pas. C'est deux consoles différentes. C'est directement sur Mac. Voilà. Donc là, ça va être sur Mac, tout simplement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le live peut péter à tout moment, mais je suis avec vous pour l'instant. Au pire, on redémarrera YouTube et puis on repartira dans un petit live. On verra. On verra, on verra, on verra. Tranquille, chill, et je vous présente ma boisson de ce soir. Je pars déguster une bière belge qui s'appelle la guillotine. Je suis outré de savoir que la guillotine est belge et pas française. À la vôtre. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et qu'il ne faut pas mettre de pression sociale aux gens qui ne veulent pas boire d'alcool. À la vôtre. Eh ben, elle est très bonne! Je pense qu'elle va tabasser sur la durée, parce que là, ça commence à chauffer par ici, là. Pas de tasse ce soir? Oh, je peux prendre une tasse si vous voulez, hein. Pas de problème. Attends, bouge pas, j'arrive. Hop là. Le Nuggo Culture Club, évidemment, enfin la chopine. Allez, à la vôtre. Bonsoir, je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Santé. Eh ben merci, bienvenue Cathy, pardon. Ah, il y a la mousse qui est de bord. C'est juste. Hop là. C'est meilleur pour les arômes. Ah oui, les mugs à côté de l'ordi, tu crois quoi? La goudale, c'est bien, mais c'est tranquille, la goudale, c'est petit après-midi, pose au soleil, la goudale. Hop là. Et oui, du coup, j'ai la chopine à côté de l'ordi. 14 mois d'abonnement, Lanchal, merci beaucoup. Bah écoutez, comment va la patronne? Hâte, hâte, très hâte de finir le projet dont je peux pas prononcer le nom, parce qu'elle ne peut plus. Voilà, mais sinon ça peut aller. Ça peut aller. C'est plutôt la petite qui est très agitée en ce moment. Je suis au travail. Bon courage, bisous au Québec. Sort jeu vidéo après le trailer du dernier Assassin's Creed. J'ai vu qu'ils l'ont annoncé, j'ai pas regardé encore le trailer, je sais pas ce que ça vaut. Je sais que ça se passe en Asie, du coup. Voilà. Coucou, trop contente que vous soyez sur Twitch, je vous ai connu grâce à votre vidéo sur la sorcière de Salem, incroyable travail de qualité, bravo, merci, ben merci beaucoup mademoiselle Kikinette.
Bon, j'avais oublié, je vous quitte 5 minutes pour le trailer de Assassin's Creed. Vas-y. Aucun problème. Moi, je vais plutôt attendre le prochain sur les sorcières. Je pense que celui-là, on le fera peut-être en live. Bon, bah écoutez, on va se lancer, on va voir si l'ordi va crasher. On va voir si déjà vous avez le son, si c'est pas trop fort, tout ça. Normalement, vous avez le son, mais c'est peut-être fort, je sais pas. Ça devrait être pas mal. Bon, alors je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Vraiment, je me lance dans une aventure, je sais pas du tout ce que c'est. Ok? Voilà, moi aussi j'ai beaucoup aimé les. En fait, c'est vraiment le style qui m'a attiré. Pour le son, dites-moi si c'est pas mal. C'est espagnol? Non, je crois que c'est brésilien. Si j'ai vu dans la description que c'est brésilien. Voilà. Alors, je joue sur Mac, mais enfin, c'est sur toutes les plateformes. C'est sur Linux, pardon. Linux, Microsoft et Mac. Donc, pour une fois qu'ils ont fait sur l'ensemble. Tu parles du projet des chaussettes en tricot, mais Flo, on a dit qu'il fallait pas le dire. On ne parle pas des chaussettes en tricot, putain. La musique est très belle. Donc, vous avez la musique, ça c'est bon. Pixel art, c'est bon. Bah, écoutez, on va y aller, on va tenter. En plus, c'est en français. Ils l'ont traduit en français. C'est parti. Je sais pas du tout. Enfin, j'ai même pas. Je connais pas les touches. J'espère que le tuto est intégré. Nous sommes cette personne qui dort. Donc vous voyez ma souris. Allez. Ah. Je me réveille. Je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'appuie sur les flèches pour l'instant. Ok, c'est un pointeur. Donc avec tout à la souris. Si je fais ça, revient. Si je clique sur elle, on ne sait pas. Ok. Ah, clic droit. Clic droit, ça m'ouvre l'inventaire. Déjà, c'est pas mal. Clic droit, c'est l'inventaire. Et là, j'avance. J'avance en cliquant. Bon. Ok, on y va. Pour fréquenter une brésilienne, les traductions françaises sont parfois foireuses. Oui, bah déjà tout à l'heure il y avait marqué commencer la pâtie au lieu de la partie. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est joli. J'aime bien le style pixel art. Je trouve que ça marche bien. Et il y a un point vert qui me casse les noix. Voilà. Donc pour l'instant, on marche et il y a le générique. C'est très bien. T'as pas ouvert le menu avec les commandes? Non. Pour l'instant, tout se fait à la souris. Hein. C'est full souris. Je vais essayer de supprimer ce petit point vert qui débarque de temps en temps. Le dessin fait penser au premier jeu vidéo. Exact, exact. Ah, un ravin. Ah, ok. Je pousse. Je pousse quoi? L'arbre. Ah ouais. Bah, vas-y, je pousse l'arbre. Ah ouais. Ah ouais. On joue mal ici en fait, des X-Men. Malicia, je vais l'appeler Malicia. T'es fort, ouais, je suis très très fort, très balèze. Ok, c'est marrant parce que du coup, quand elle est en pause, elle fait genre timide, c'est très étonnant. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Je vais avouer, il est derrière le chat, vous voyez pas. Peut-être baisser un peu le chat du coup. Désolé, il y aura moins de messages. Vous aurez un peu plus de cheveux. Qui dit pixel art dit maximum de gore, tu crois? Possible. Donc là, il y a quelqu'un. Au fond, je ne sais pas qui c'est. On va y aller comme des cons. Parce que de toute façon, c'est le seul chemin. Va vite, il va craquer. Bonjour. Monsieur, dame, bonjour. C'est une banshee. Elle va se mettre à hurler. Veja só. A escuridão está por toda parte. Ah, vous voyez l'obscurité partout. Cada vez mais tenebrosa, ofuscando o brilho de toda a luz. L'éclat de tout. Mas é aí também que a luz tem espaço para crescer.
E aqui estamos novamente, depois de tanto tempo, todos nós presos nessa espera sem fim. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on l'a dérangé pendant qu'elle faisait pipi. Será que você vai ter coragem de ir além do abismo dessa vez? É preciso encarar o abismo que tem dentro. C'est nous. Voilà, c'est nous. C'est rigolo parce que du coup, on passe du pixel art à un truc très très clean. J'aime bien. Um passo de cada vez, menina. Não precisa ter medo. Il n'a pas lieu d'avoir peur. Chegou a hora de despertar. Le moment est venu de se réveiller. Voilà. J'entends que le jeu. Pas moi? Ah. C'est peut-être parce qu'il faut que je monte un peu le micro ou que je baisse un peu le jeu. C'est possible. J'entends que le jeu, j'adore le silence du perso en mode oui. Alors attendez, je vais baisser un petit peu le niveau du jeu. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Vous me dites si ça a rien changé, mais normalement j'ai bien baissé. Hein. Peut-être trop. Vous me dites. Le moment est venu de se réveiller donc. J'adore. Très beau. On dirait Grabirel sur cette image d'ailleurs. C'est très beau. J'ai pas dit qu'ils étaient sympas les vieux, j'ai dit qu'ils sont toujours mystérieux. Marche droit devant toi. Oui, j'aime bien. Bravo, vous avez de bonnes refs. C'est un mix de type de dessin, c'est ça, un mix média. Est-ce qu'elle va lui donner un bel indice? C'est possible. Ah, je connais ça. Après, on va voir le prof Shen et... De novo, mesmo pesadelo. Une fois de plus, le même cauchemar. Porque minha mente parece tão confusa Pourquoi agora? Mon esprit semble-t-il si confus tout de suite? Si confus tout de suite. Nem consigo lembrar a hora em que fui dormir, pra ser sincera. Je me souviens même pas l'heure à laquelle je me suis endormi. Pour être honnête. Estranho. Alors moi ça m'arrive souvent hein, de pas savoir à quelle heure je me sens dormi. Mais cette fois, le pesadelo fait un peu plus loin. Bizarre, cette fois-ci, le cauchemar est allé un peu plus loin. Eh ben, il faudra peut-être retourner dans le cauchemar. Pourquoi tu t'es levé pour te recoucher? Ok. Comment va Grabirel? Ben, je l'ai eu au téléphone il y a même pas une heure et elle allait bien. Demain, elle est en congé, donc c'est cool. Je suis bulle bizarre, hors de question. attendez, j'ai pas fouillé là. Oh, il y a des petites. C'est clairement un point and click. Des tiroirs vides. Ana Lucia. Ana Lucia, c'est mon nom. Ça s'appelle Ana Lucia. Lembro disso, je l'appelle Malicia. Ok. Je sais, elle s'appelle Ana Lucia maintenant. C'est Malicia pour moi. Elle a bougé un arbre à la force de ses épaules. C'est Malicia. Mais qui suis-je après tout? On va voir les volets. Il semble coincé. Je peux à peine voir à travers les trous à l'extérieur. Elle dort tout habillée, c'est pas très propre. Oh, ça t'arrive pas de t'endormir tout habillée? Moi, ça m'arrive. Tu te souviens, t'es endormi? Non, je me souviens pas. Merci, Adri, pour l'abonnement niveau 1 que tu as offert à Ruratouville. Merci beaucoup. Je n'ai pas sommeil. Et si j'ai vraiment dormi, suis-je toujours dans un cauchemar? Ah, bonne question. Alors là, c'est... Ah, on peut allumer lumière. Lumière allumée. Oh, ça fait un sale bruit. C'est mieux d'ailleurs le son. Tu peux baisser encore un peu le son du jeu. Je sais pas quand... On t'entend plus. Quand ça parle, on t'entend plus? Ah. D'accord. Pas de problème. Je vais encore un peu baisser. Je peux faire ça. Voilà. Rien dans ce tiroir. La chaise, le livre. Le livre. Ça passe quelque chose avec le livre. Écrire. C'est super beau, je suis trop content d'avoir choisi ce jeu par hasard. J'adore tomber sur des pépites comme ça. En fait, les voix des persos est plus forte que le son du jeu en général. Ah, peut-être qu'il faut que je baisse le...
Lire? Qu'est-ce que j'ai écrit? Que diable? Quel jour sommes-nous? Jaffa, j'un tempo que hoje meus dias se parecem todo iguais. Ah, chauvage, moite. Mais puis, ils n'ont pas traduit. Parce que je parle un peu portugais, mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Je vais continuer. Attends, si je fais. Ah, bah voilà, ils l'ont traduit là, en disant lire. Ok. Quel jour sommes-nous Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Cela fait un moment que mes journées sont toutes les mêmes. La pluie, les nuits, les cauchemars, on dirait que ça ne finit jamais. Tout est un cauchemar. Maintenant, je me souviens même plus de la dernière fois où c'était différent. L'air est lourd ici, mais je n'éprouve aucune envie de sortir. C'est tellement plus sûr ici que quitter la maison me semble une tâche pratiquement impossible. Trouver des gens, alors. Je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un pour de vrai. Et à part cette dame dans mes cauchemars, elle apparaît plus souvent que autre chose. Ok. Elle reste toujours là, sur cette falaise, à regarder l'horizon aussi vite que son regard. Elle a dit quelque chose à propos d'affronter l'abîme en moi pour me réveiller ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement. Mais à chaque fois que je regarde l'abîme dans mes rêves, je me réveille. Est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce que t'as fait, Adri? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, j'ai pas tout vu. Je sais pas. Je crois que c'était un monsieur. Non, c'était une vieille. Ah, je suis tellement fatigué de tout ça. Je n'en peux plus de ces cauchemars, se répètent toutes les nuits quand j'arrive enfin à dormir. Maintenant, on dirait qu'il revient, qu'il, hein? Maintenant, on dirait qu'il devenir de plus en plus intense. Cette personne ne sait pas écrire. Je dois prendre des médicaments pour me calmer un peu. Je pense que je les ai laissés dans la cuisine la dernière fois. PS, pourquoi ai-je autant de lucioles ces derniers temps? Ai-je autant pensé, pardon, aux lucioles ces derniers temps? Salut Sophie. Vous avez tous cru que c'était un monsieur, la dame? Par contre, pourquoi il y a des petites couilles là? Pardon. Ok. Sortir. Mais du coup, paramètres. Voilà. On a dit qu'on allait baisser un peu les voix. Voilà. Ça devrait être mieux. Commande, tiens. Inventaire, run. Ah, je peux courir. Alors, attends. Ah, c'est pas pratique. AD. Walk or turn sideways. Stop action. Flash. Ok. Inventaire. Et map. J'ai une map. J'ai une map. Continue. Bon, pour l'instant, j'ai pas de map. J'ai un flash, j'ai rien du tout. Ok, pour l'instant, j'ai rien du tout. Je peux retourner, ok. La vieille gâteuse, la traduction à but et Alex saute des mots, on bite rien. Il n'y a plus de musique dans le jeu. Non, il n'y a pas de musique dans le jeu pour l'instant. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Allumons les lumières. Ok, cool. Bon, bon, on se casse. Il vient de tamer. Ouais, mais ça s'appelle la guillotine aussi. Vous rendez bien compte que c'est pas une pierre normale. Ça va me tabasser. On peut pas ouvrir la fenêtre, c'était bloqué les volets. Bon, j'étais à gauche, mais en vrai, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. On y va. Ah, j'ai des interactions avec ça. Des meubles. Des meubles. Ok, on va aller voir de l'autre côté. Déjà, ça manque de tableau. Comment je fais courir? C'était Z. Bon, ok, je peux pas courir pour l'instant. C'est quoi ça? Je ne pense pas que je veuille. Non, je ne pense pas que je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous. Je ne pense pas que je veux pas savoir. Elle pense pas qu'elle veut pas savoir. Ok? Donc elle veut savoir. Double négation. Je ne pense pas que je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous. C'est un jeu indé, ok, c'est un jeu indé, on va excuser, mais c'est drôle quand même. J'espère qu'il soit des mobiles.
Moi aussi. Je ne sais pas. Alors, gauche ou droite, j'ai plutôt tendance à me diriger vers la gauche, hein, vous m'excuserez du peu. Mais on va aller à gauche. Donc elle pense qu'elle veut savoir. Oui, c'est ça, elle pense qu'elle veut savoir. Allez, je vais par là. Soyons fous. C'est coincé. Voilà, bon, au moins, au moins ça résout le problème. C'est coincé. Allez, cours! Cours! Vole, Malicia, vole! Bon, bah, hein. On n'est pas sorti du sable. Eh ben, on n'est pas sorti du sable, hein. Je sais pas du tout quel est le but pour l'instant, hein. Ok. S'il faut s'échapper de nos rêves, si j'ai bien compris. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une ancienne étagère, pas utile du tout. D'accord, où suis-je? Ah d'accord, c'est pas où elle est. Très bien. Très bien, très bien, c'est pas du tout inquiétant. Et donc rassurez-vous, il n'y a pas de musique, hein. Elle a de quoi couper la tête cette bière, en effet. Bah. Ok. Ah, petite interaction. Plus de choses couvertes. Plus de choses couvertes, oui. Oui. Très bien. Très bien, très bien. Ça bouge? Ça bouge? Non? Ok, c'est en premier plan. Là, il y a une chaîne au-dessus de nous. Je peux rien faire. Ok. Je peux toujours pas utiliser la lumière. J'ai pas de. Non, je peux pas encore trouver la lumière, donc j'imagine que. Je ne pense pas que cela devrait être ici. Ça dépend, si on est dans un centre hospitalier, ça a toute sa place. Par contre, la roue tournera. La roue tourne toute seule. Ça ne pose pas de problème à personne. Ah, il y a du sang, ça y est. Les traductions venant de la langue portugaise sont assez mal gérées par les traductions automatiques, patron. Ah, bah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Prends le fauteuil, j'aimerais bien, mais il m'a pas proposé. Ah, attends. Je vais lire ce truc. Voilà. Ok. Ah, enfin de la lumière. Hacienda la luz. Ah, ça y est, on rentre dans le gore. Alors attendez. Ah, la musique est revenue. C'est quoi normalement pour la flash? C'est F facile, F flash. Retourner, continuer. Ok, bon, j'ai toujours pas de flash. Ah, ça commence à être gore. Je veux le nom des coupables pour le vol du fauteuil. Tiens, un cadavre. On dirait Scooby-Doo. Plus d'ennemis. Ennemis sont partout. Je ferais mieux de sortir d'ici le plus vite possible. Oui! Ça, c'est une réflexion intelligente, mais tu es un personnage de jeu vidéo. Tu dépends de ma folie. Tu dépends tellement de ma folie. Ah! Quand je vais mourir, à chaque fois, je vais retourner dans la chambre? Non, ça va être casse-couille. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Ah, ok. Ah, ça y est, je peux courir. Déjà, je peux courir. Donc, c'est peut-être voulu qu'on meure. Parce que du coup, on a débloqué le fait de courir. Le courage. Pas du tout ça. Allez, cours! Cours! Cours pour ta vie! Cours pour ton fût! Cours, Malicia! Cours! Suis rentré dans un sphincter! Je suis rentré dans un sphincter! Cours! Cours! Ah! Cours pour la porte! Ouais! Ah, você chegou Oh, vous bem êtes na hora arrivé da juste à temps pour le goûter. merda. Alors, le jeu est tout nouveau, hein. Genre, il est sorti la semaine dernière. Donc, il y a sans doute peu de gens qui ont joué. C'est ça qui est cool. Oh merde, on est coupé par Cthulhu. Il y a des chances. C'est pas attention, ça va trancher, chérie, la véritable réplique. Je sais pas.
attention, j'ai pas vu. Cours, Forest! Ma gueule, le nul. Oh, je t'embrouille, Flo. En gros, plus tu meurs, plus tu apprends à faire de nouvelles choses. Sacré processus d'apprentissage. Dolores Madrigal. Excellent, excellent. Oh, vous êtes arrivé juste à temps pour le goûter. Asseyez-vous, il y a du café chaud dans la bouteille. Je viens de le préparer. Il y a aussi des biscuits. Tu les veux? Non, trop confirmé agora. Je n'ai pas très faim en ce moment. Ok. Mais obrigada. Mais merci. Poli. Étrange, mais poli. Você tá muito magrinha. Vous êtes très maigre, ma fille. Vous devriez manger. Desculpa, désolée, mais je suis un peu confuse. Qui êtes-vous? Eita. Vous n'avez pas une bonne nuit? Muito bem. Avez-vous trop dormi? Mais alors, dans un promenade dehors, prendre l'air, se souvenir des choses. Ah, depois, você vem para tomar café. Je sais, c'est l'oracle. C'est Oracle dans Matrix. Je suis sûr, c'est Oracle. Il y a quoi dans le goûter? Le type de la table de discussion, c'est possible. Toi aussi, apprends le portugais avec un jeu d'or. Bah, pourquoi pas? Hein? Ensuite, venez prendre un café. Ça ne demore muito para modo café nos fria. Ne vous attardez pas pour que ça ne refroidisse pas. Ouais, t'approches pas trop quand même, toi. J'ai un petit peu plus peur. On peut reparler avec elle? Après tout. Alors, j'ai pas lu le premier dialogue. Oui. Je sais pas si je devrais le faire, je me sens pas confortable de parler avec cette femme. Après tout, elle a l'air occupée, je ne veux pas la déranger. Mais t'as proposé un goûter, meuf. Ces biscuits me sont familiers. Très bien, très bien. Cette odeur me rappelle de bons souvenirs. Très bien, très bien, très bien. Oh, il s'est passé quoi? Ok. On peut pas interagir avec le frigo. On peut pas. Ah, attends. Il y a eu un point d'interrogation là? Non? J'ai rêvé? J'ai peut-être rêvé. Prends la bouteille! Allez, par mon bouteille. À la vôtre. Ah, espera aí! Hey, attendez! Ouvre le frigo. J'ai pas pu, il m'avait pas proposé d'ouvrir le frigo. Aproveitar que você está saindo. Profitant de votre départ. Será que você poderia me dar uma ajudinha? Je pense que oui. É que minha filha saiu para brincar aqui perto e já está escurecendo. Vai bientôt faire nuit. É que eu não gosto de deixar ela sozinha fora até essas horas. Jusqu'à si tard. Você pode pedir para ela entrar para dentro de casa? De rentrer à la maison? Ela ama papas. Ela adora les biscuits. Se ela não quiser voltar, é só dizer que tem pita fresquinha. Frais, des cookies frais. Ela tem 6 aninhos. Ela que 6 ans. Tão lindinha, só vive com seu coelhinho. Elle traîne avec son lapin de haut en bas. Ah, il y a encore des enfants. Bon, ça va, des enfants pixelisés, ça va, mais. Mes enfants. Vai ser fácil, achar ela. Ça sera facile de la retrouver. Então, você pode me ajudar? Alors, allez-vous m'aider? Sim. Oui, je pense. Acho. Oui, bah oui, on va t'aider à retrouver ta fille de 6 ans. Prenez ça qui, avec son lapin de haut en bas. Prenez ça, ça pourrait être utile. Tintintintin! C'est elle qui nous donne la lumière, c'est ça? Wow! On est passé à la 3D! Lampe torche 3D sur fond pixelisé! Une lampe de poche sans pile, est-ce qu'elle fonctionne? D'accord. Y a pas de pile. Bon, bah y'a pas de pile. Y'a pas de pile. On a pas de pile. Encore mieux que Babel ou Duolingo, Rosetta Stone, ce jeu pour apprendre à jouer à Sleep. C'est Jésus qui donne la lumière. Bon, du coup, j'imagine que, effectivement, ça... Utiliser. Ça ne marche pas. Examiner. On pourra combiner des trucs, genre un champ de maïs et du chocolat, et paf, ça fait des chocs à pic. Une lampe de poche récupérée avec une femme au foyer mystérieuse, mais toujours sans pile. Et toujours, d'accord, sans dé. Allez, je continue mon périple vers la gauche. Le pneu dégonflé, probablement crevé. Ok, bon, c'est bien. Elle a dit que c'était presque la nuit. Oui, mais presque, c'est vague. Que s'est-il passé ici?
Je ne peux pas passer par là? Pourquoi tu peux pas passer par là? D'accord, c'est un mur. Un mur porteur de jeux vidéo? Si on peut pas passer? Est-ce que du coup ça marche si je. Non, non c'est vraiment. Je dois cliquer. Naojog. Bien acquis. Ne jouez pas. Xo acquis. Ne jouez pas ici. Voilà. C'est bon si je joue pas ici, je joue. Duolingo, l'appli qui te bully quand tu te connectes plus. Ah bon? Je sais pas, je fais du Duolingo aussi, mais il me bully pas. En même temps, je me connecte tous les jours, donc forcément. Ok, je peux pas ouvrir cette porte. D'accord. Le tas de sable, là, je peux pas l'examiner. Non. Cette affiche non plus, bon bah je cours. Hein. Ah. Paré, stop. Paré. Ok, bonjour l'apocalypse. The junkies. The junkies. Il y avait des tentacules qui te pourchassaient, c'est vrai. Ok, pour l'instant c'est exploration du monde. Hein. Un monde sans fond. On a vraiment l'air d'être dans un rêve quand même. Hein. Genre c'est la première fois qu'on va aussi loin dans ce. Je suis caché. Pardon. Vraiment désolé. Je peux rien examiner. Ah, il y a les jeux pour enfants, il y a les toboggans et tout ça. Ouais. Ah, je crois que c'est là. Bon. Ah, il y a un truc par terre. Ah, peut-être. Hein. Il va me dire que c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Bon. Chouette! Un parc pour enfants à tomber de la nuit. Monsieur Lapin, Monsieur Lapin, tu peux qu'il est temps de rentrer à la maison? Maman disse para não demorar muito. Maman m'a dit que ne pas traîner trop longtemps. Hein? Quoi? Você acha que podemos ficar mais um pouquinho? Mas é claro que podemos. Mais bien sûr que nous le pouvons. Oui, j'ai envie de donner une grosse voix au lapin. Eu também acho. Ceci. Até ficar de noite. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit, qu'en penses-tu? Isso, isso. Oui, oui. Até ficar de noite. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Tu as noté aussi le brouillard? Oui, il y a du brouillard, tout à fait. Stephen King prend la place. Elle parle au clown. Ambiance un cheveu creepy. Alors. Je sais. Ah, je sais. Pour rentrer seulement après avoir vu les lucioles. Vagalumes. Les lucioles. Tu l'as pas. Aime les lucioles. Opa. Oui. Restons jusqu'à ce que nous voyons des lucioles. Vagalumes, alors. Hey, hey, acho que tem alguém que vindo. Mangeons là. Pardon. T'as jamais vu Denis Darko. Alors, cette gamine s'est barrée. Reviens, petit enfant. Ah, parlons au clown. Le clown est bizarre. Ce n'est qu'une poubelle. Très bien. Très bien, très bien. Ok, c'est une autre poubelle. Ah. Bah tiens, d'ailleurs, elle est pas là, Lucien. Non, apparemment, elle est pas là. Écoute, elle a le droit. Elle n'est pas rémunérée pour être là. Est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Non. Ok, c'est pas ouvert. Là, c'est pas ouvert non plus. Il y a un papier par terre, hop, je peux prendre. Para escola. À l'école. Descente d'un enfant perdu. Ok. Para escola. À l'école.
Quem sabe lá eu encontre alguém que possa me ajudar. Peut-être que je trouverai quelqu'un là-bas qui pourra m'aider. Qui sait? C'est une poubelle bon, en forme de clown, c'est bizarre. Je précise encontrer des réponses. Bon, je dois trouver des réponses. Oui. Bravo. Tiens, il y a un plan, là. Trouver l'école et chercher des indices. Ah ouais, il y a un vrai plan. Ah ouais. La scola fondamentale. Allez. Du coup, il faut qu'on sorte... ça fait une grosse map, hein. Je ferais mieux de prendre cette carte avec moi, elle pourrait m'être utile. Oui, très bonne idée, Malicia. Je rappelle qu'elle ne s'appelle pas Malicia. Elle fait trop confiance à l'éducation nationale pour son bien, c'est pas une bonne idée. hop, si je pars par là, du coup, où est-ce que ça nous mène? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, si je fais M, du coup, si j'ai bien compris, c'est M la map, mais ça n'a pas l'air de... Si, M. Pourquoi elle marche pas, M? Bon, c'est pas grave. On va faire l'ancienne. Ah, peut-être parce que j'ai un clavier AZERTY, que le truc, il est en QWERTY. Hein, c'est possible. D'accord. Donc, je suis toujours dans le parc pour l'instant. Faut que je me démerde pour remonter. Ok. Ah, il va nous tuer. Je choisis l'ours. J'en ai rien à foutre, je choisis l'ours. Voilà, ceux qui auront la ref, hein. Pour ceux que ça énerve, eh ben je m'en fous! Parce que en vrai, moi aussi, je choisirais l'ours! Ah, quel amour! Cette femme ingrate n'est bonne qu'à bavarder. D'autant plus dangereux. Ça converse. Un conseil, alors? Un conseil, ma fille? Non, casse-toi. Vous mariez, je vais. Comprenez-vous? C'est une perte de temps. Ah, il bave. Il y a de la bave. Et pour ce que c'est pour ça que je bois. Elle me fait boire, elle cette femme. Elle a ruiné ma vie. Quel amour l'est. Et au face du... Oui, il y a du portugais, tout à fait. Bon, J'ai fait tout dans cette maison. Je cuisine. Je paie les factures. L'école des enfants. Et qu'est-ce que j'obtiens, moi? Rien. Rien du tout. À la vôtre. Comment vas-tu, garoto? Écoute, tu es un dia de merde. Désolé, gamine, je passe une journée de merde. Et c'est la merde. Ça, fille. Cette vie, c'est et si le gars t'a mis des chiens à dos, French? Oh. Il y a une interaction. Est-ce que je relance des questions? Est-ce que je vous refais un coup de choix ou est-ce que j'y vais tout seul? Nova, mec bourré, troisième langue. Mais moi j'ai pratiqué toute ma jeunesse, mec bourré. La 3. Alors j'ai pas lu. Je suis désolé monsieur, je ne sais pas quoi dire. En parlant d'école, pouvez-vous me dire où elle se trouve? Peu importe, je ferai mieux de sortir d'ici. Le mec pourrait... Colle-lui une châtaigne. On demande où est l'école, c'est une bonne idée. Bonsoir, Valou, ça va très bien, merci. Vas-y, on va demander où est l'école, même si on a une map. En parlant d'école, vu que vous la payez... En parlant d'école, pouvez-vous me dire où elle se trouve? Espèce de connasse, c'est pas une merde. L'école? L'école? Bon, j'étais le meilleur de ma classe. Le meilleur des meilleurs. Eh ouais. Vous savez? Et vous savez quoi? Tanto faz. Et non, pardon, je vais lire ça. Et vous savez quoi? Peu importe, vous n'avez pas besoin d'école. Personne n'en a besoin. Tout ce que j'ai appris était hors de l'école. Aujourd'hui, j'ai mon travail, une femme... Ma famille. Et ma bouteille. Allez, gerbe. Ça va être rigolo. Et... Ah, il s'est endormi. allez, hein, on va le laisser dormir. Pardon, monsieur. Hein, bonne nuit. Faites un bon dodo. Hein.
Où dois-je aller? Eh ben, on va regarder la map. Appuie sur M, mais c'est ce que je fais. D'accord, donc c'est bien le problème du QWERTY. Faut que j'appuie sur virgule. D'accord, alors on est là, et ben on va passer par la gauche. Du coup, à Occultum, l'homme bourré sera une langue obligatoire? Non, parce qu'elle sera pratiquée pour ceux qui le désirent, mais pas obligatoire. Comment ça va, Aspergeek? Ça va très bien, et le jeu, ça s'appelle Asleep, c'est un nouveau jeu brésilien. Voilà. Pour l'instant, on débute tranquillou. Et c'est bien, pour l'instant, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Allez, on va prendre par la gauche. Allez, cours un peu, Malicia. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Suis-je déjà venu ici? Il est marqué 1964 ou 84, je sais pas trop. Tiens, un téléphone. Allô? Un téléphone public, c'est étrange. Je ne trouve personne à qui téléphoner. Alors, en même temps, faut se souvenir des numéros. C'est pas pratique. Oh, je peux rentrer là. Est-ce que c'est pas hyper dangereux de rentrer dans cette maison? Allez, on y va. Merci Adri pour le sondage. C'est exclusivité Twitch, hein, je suis désolé, mais il y a un côté Silent Hill dans l'ambiance un peu. Ah, cool, des piles. Je crois que c'est des piles. C'est des piles? Ouais. Des piles usées. Bon, ça sera déjà ça. On va foutre les piles là-dedans, hein. Clouc. Ah, si. Bon, du coup, si ça fonctionne à piles, je vais peut-être pas les gaspiller. Des vieux produits, rien d'utile. Mais prends tout, wesh. T'as un inventaire de jeux vidéo, prends tout. On fera le tri plus tard. Ils sont périmés. Juste des céréales, j'en ai pas besoin. T'en sais rien. Un petit creux sur la route. Ça peut être long. Remarque, la vente à crédit seulement demain. Hein? Mais je ne sais même pas quel jour on est. Hein? D'accord. On va dire que... Ils sont périmés. Un congélateur. Mais il est éteint. Où est le propriétaire de cette épicerie? Et pourquoi est-il parti porte ouverte? Bah parce que sinon on n'aurait pas pu ramasser les piles. Voyons. Question con. Est-ce que ça marche toujours? Bah essaye. Ah, j'ai un truc à prendre. C'est quoi? Ce sont des pansements. Ils aident en cas de blessure mineure. Prendre... Oui. Bah oui, on va prendre des pansements. Oui, c'est pas bon signe d'ailleurs, c'est des pansements. Une bonbonnière remplie de bonbons. Bah serre-toi. Voyons, pillage. Pillage dans les règles. Tellement de boissons, ils sont couverts de toiles d'araignée et de poussière. Mais prends quand même. Je me demande si quelqu'un en a déjà commandé un ou c'est juste pour la déco. Mais... Oh. C'est quoi cette personne qui ne pille pas, là? Des vieilles tangs. Tongs, j'imagine. Il n'y a pas de pointure. Elles sont trop grandes pour moi. Des vieilles tangs. Des vieilles tangs. On peut avoir de l'argent dans le jeu, ah, au cas où, il y aurait des caisses, c'est pas con, c'est une étagère. Oui, c'est ça la rêve depuis tout à l'heure, effectivement. Oui, il y a plein, c'est un mélange de styles graphiques, ça n'arrête pas. C'est vraiment très beau. C'est dommage de pas pouvoir faire de sondage cross-platform, oui, je suis d'accord. Du coup, on en est où, là? Faudrait que je remonte. Faudrait que je remonte par là. Hop. Si j'ai bien compris. Mais même, je reviens là. C'est débile. Ça va me faire descendre quand je remonte. Ça n'a pas de sens. Du coup, Ah oui, ok, ça y est. J'ai compris. Voilà. Passer par là et je suis en train de monter. Oui, parfait. Alors là, il y a un truc. Est-ce que c'est ouvert? C'est coincé, ça ne s'ouvre pas. Ok, pillage. On est perdu, mais non, on a une map, tout va bien. On n'est pas perdu. Ah,
Une porte qui s'ouvre toute seule. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Évidemment. Évidemment. Allons-y. Allons-y gaiement. De toute façon, je vais retourner dans le lit direct. Ok. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire. Allez, lis. Il fait trop sombre pour lire. Eh ben, allume ta lumière. Hop. Ah, note sur le rampeur. Je pensais que t'étais dans ma tête, mais c'est réel. Ma sœur l'a vu aussi. Il est apparu dans la cuisine hier soir, et auparavant, je l'avais vu dans ma chambre. Il pleure, rampe, et ne semble pas voir dans l'obscurité. J'ai réussi à m'échapper sans être remarqué. J'ai marché doucement. Et je ne pense pas que mon cœur ait battu assez fort pour qu'il puisse l'entendre. PS, ma clé est tombée dans le noir pendant que je m'enfuyais. Nous devrions briser la porte ou la serrure, et c'est assez fragile en fait. La dernière fois, j'ai réussi à ouvrir la porte avec une épingle à cheveux, à ma sœur, de ma sœur. C'est peut-être le moment pour changer la serrure. Mieux vaut prévenir que guérir. D'accord, donc le rampeur, il faut marcher lentement. Ok, si j'ai bien compris. Donc si on voit un rampeur... faut chercher la clé. Je sais pas s'il faut chercher la clé. Ouais, tu penses? Ah, tiens, ça a brillé. Prends, allez. Un antiseptique en cas de blessure. Oui, bien sûr que je prends. T'as cru quoi? Si je rallume la lumière, ça fait repriller des trucs. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. On dirait la voix de tous les méchants dans Nicky Larson. attends, je vais repartir par là-bas. Il y avait juste un petit... ça là que je voulais voir, voilà. Par contre, ça me fait chier. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'utilisé. Ah bah super. Merci quoi. Ça valait bien le coup. Bon, bah, désolé, je sais pas comment faire un sondage sur YouTube. Même sur Twitch d'ailleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça suit la souris. Ah, ma lumière suit la souris. Trop bien. Je vais éteindre la lumière pour l'instant. Il y a des lucioles sans électricité. Ok. Ah, tiroir. Rien dans ces placards. D'accord. On peut choper les lucioles? Non? Oh, le miroir, il fait un reflet bizarre. Il fait l'inverse de ce que je fais. Il va dans le mauvais sens. Ah, cette fois, je peux attaquer le frigo. Les lucioles, elles ont l'air quand même de me conduire quelque part. Un réfrigérateur vide. Dans le four, il y a quelque chose. Une vieille cuisine, rien de plus. Ok. Un filtre à eau en argile, mais je n'ai pas soif, c'est vraiment une information utile. Patron, on a perdu YouTube. Ah, je m'en occupe. Allez. Ah, ça y est. Peut-être qu'elle te guide, c'est possible. Alors, du coup, est-ce qu'elle rampant? C'est verrouillé, mais la serrure semble fragile. Ah oui, mais j'ai pas trouvé les trucs, du coup. J'ai pas trouvé la clé ou l'épingle ou je sais pas quoi, là. Ah! Ah, il y avait pas ça tout à l'heure. Ah! Il y a un vortex. Cliquez sur le bouton pour regarder à travers le mur. Oui, bah vas-y, allons-y. Ok. Ça me fait un peu flipper, mais on va y aller. Eh ben. Salut Wizard. Oh, non, je suis revenu du... Oh putain. Oh, le con. Mais un pesadelo. Un autre cauchemar. Non sais. Je ne sais pas. Fuck. Meu mundo inteiro.
De repente parece que ficou meio insano. Porque semble soudainement un peu fou. C'est le rampant? Screamer! Ah, j'ai gardé ma lampe par contre. Les petits papiers qu'on avait pas tout à l'heure. Ah, c'est nous, c'est ce qu'on a ramassé. Trop cool. Ok. Bon. Du coup, on va pouvoir aller un peu plus vite. C'est une sortie au cas où possible. Du coup, c'est toujours fermé par là? Ou ça a été ouvert? Pour éviter qu'on. Oh. Ok. Faut aller par là. On y va! Ne dis pas que c'est Game Over. Non, non, c'est pas Game Over. Je suis juste en fait, on est dans un Seymour Screamer. Oui, exactement. Où elle va? Je t'ai pas dit d'aller par là? Wesh, Malicia. Mais cours! Déjà, il n'y a plus la dame. Ah, attends, elle va laisser les cookies. Ramasse les cookies. Prends les cookies, madame. Esses biscoitos me trazem boas lembranças. Curioso que aqui a gente chama de peta. Um nome bem peculiar para algo tão saboroso. Dans cette région, lembro que antigamente minha avó costumava fazer umas petas no seu forno à lenha. Je me souviens que não eram como as que encontramos nas quitandas. Elles étaient beaucoup plus amoureuses. Sur son four à bois, ils n'étaient pas comme ceux que l'on trouve à l'épicerie. Ils étaient vraiment plus savoureux, du moins, autant que je me souvienne. D'accord. Et tu veux pas les manger? Il n'y avait pas cette porte tout à l'heure. Ah ah! Attendez une seconde, j'arrive. Épingle à cheveux. Ah bah oui, du coup, ça c'est pratique. Ça va nous permettre d'ouvrir la porte. Ok, bon, bah ici c'est bon. Tac. Pour ouvrir la porte, ouais, c'est cool. Parfois que j'entends un doublage en brésilien, c'est dingue. Il n'y avait pas le four tout à l'heure, si, non, il n'y a pas. Mais qui faisait rien de plus. J'espère qu'il va pas falloir courir, j'espère qu'il n'y a pas le. Il n'y a pas que tout là. C'est coincé. Ah. C'est plus Raven de Teen Titan que Malicia. Ouais, non, elle a pas les bons vêtements. Raven, elle est vraiment dark, quoi. Par contre, c'est fermé. Comment ça, c'est fermé? Il n'y avait pas une porte de sortie ici. Je crois pas. Ah, je crois qu'il y avait des médicaments par contre. Alors, les gens, le brésilien, c'est du portugais. Alors, oui, mais je vais un peu nuancer. Parce que le brésilien a certains mots qui sont différents. Et surtout, l'accent est complètement différent. C'est comme si tu disais que le corse, c'est du français. Donc, le breton, c'est du français. C'est pareil. Il y a le dialecte local quand même. Parce que, oui, je suis d'accord que c'est du portugais, mais c'est un peu différent quand même. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'utile ici. Oui, il m'en a pris quelque chose d'utile. Bon, il n'y a pas de porte de sortie ici. Exactement, le portugais et le brésilien, c'est comme l'anglais américain, l'anglais britannique. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font de grosses différences là-dessus. Alors, attends, j'ai vu qu'il y avait des médocs, là. Ils sont décomprimés. Ils m'aident à me calmer. Ah bah oui, c'est pratique si elle rampant, du coup. Il y a un petit mot. Rappel décomprimé, ne pas oublier de prendre les pilules après tout le stress... Elle m'a calme énormément. Ne pas confondre, c'est le flacon orange. Être dans l'obscurité m'a rendu anxieuse. Oula. Eh, c'est chelou, on dirait des trucs qu'on a laissés pour nous-mêmes. Bon, je vais éteindre la lumière par contre. Les développeurs de jeux vidéo de jeux brésiliens sont bons, si tu le dis. Pareil, il y a différence avec l'Australien, oui, c'est vrai. Du coup.
Par où on sort si on peut pas. Si ça s'est fermé. C'est coincé. Ok. Bah merde alors. Si l'autre côté s'est fermé, on va repasser par la chambre. C'est possible. T'aurais dû prendre le bocal à cookies. Oui, mais j'ai pas appris, je peux pas prendre. Il me propose pas de le prendre. Mais non, mais je m'en fous que c'est coincé. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de passer par ta chambre. Ah, c'est des raccourcis. Il y a Marie-Madeleine qui débarque en force dans le chat YouTube. Alors les occultes ont conduit comme des femmes. Ah merde, Crody, il y a le rampant, merde, j'ai paniqué. Utilisez. Wesh, Bon, attends, je vais courir parce que il me laisse pas passer. Ah, 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 sa mère, ça bouge. Ah, casse-toi. Ah, ah, mais bon, Pixel, ça m'a fait flipper. Et c'est pas pour rire, hein, genre j'ai des frissons. Ouf. Du coup, j'ai un peu gaspillé les trucs pour rien, ça fait chier. Je sais pas si. Ok, bon, il y a le rampant. On va essayer de le faire tranquille. Par contre, ne crie pas, me dit Marie-Madeleine. Faut pas courir en présence du rampant. Oui, oui, c'est ça. Alors, du coup, hop. Est-ce que si je mets un peu de lumière, ça passe ou pas? Ou il aime pas la lumière, le rampant? Ah, il aime pas la lumière, c'est ça. Ah non, bâtard. Bâtard est sous la porte. Casse-toi. Ah mais non, ça marche pas. Ah. Oh, je suis mort. Bon, ok. Cours pour ta vie. Bon, ok. On va retenter. On va repasser par là. Repasser par le miroir. Au pire, c'est pas ça ma mission d'origine. Hein. Je peux me casser aussi. Est-ce que j'ai pas de quoi le taper là? Coucou mes petits amanites, tu mouches. C'est comme ça que t'appelles les ogules toi maintenant? Voilà. Allez, cours! Oui, je sais, faut pas courir normalement. Hop! Mais non, mais utilise sur la porte. Quoi? Ah ouais, ok. Il m'attaque. D'accord. Mais je m'en fous de ça. Utilisez. Ne paniquons pas. Ah mais à chaque fois que je veux ouvrir, il me tabasse. Bon, je me casse. Tant pis, je me casse. Je veux pas mourir ici. On reviendra plus tard. On va aller chercher la petite fille à l'école. Voilà. Pourquoi il y a un crapaud qui vous bouffe les pieds? Parce que... J'en sais rien. J'en sais absolument rien. On reviendra plus tard. Mets l'épingle dans la serrure. Oui, mais à chaque fois que je mets l'épingle dans la serrure, il me tape l'autre, là. Ah, je suis obligé de passer par là. Attendez, c'est trop drôle. Pardon, je suis un gamin. Donc là, ça marche pas. Donc je vais passer par l'autre côté. Peut-être que ça passera mieux. Pardon, putain, j'ai fait un titre. Voilà. Non, on va chercher la petite fille à l'école. Il n'y a rien. Si tu vois un problème là-dedans, c'est un souci pour toi.
Ok, on va essayer de passer par l'autre côté. Allez. Allez. Tous les coups, ça va être bloqué. Non, non, descends pas, descends pas. Ouf. Ah, il est fatigué. Là, il y a une porte. On va essayer par là. Aucune raison d'essayer d'entrer, d'accord. Oh non, c'est bloqué. Vous voulez dire que c'est là. Ah non, c'est pas bloqué. Tout va bien. Hop. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Ok. Et où est-ce que j'en suis sur la map là? Ok, pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est bloqué. Je m'en doutais. Il se passe quelque chose de très grave par ici. Oh punaise. J'ai oublié de passer par la maison chelou là. Y a aucune raison. Mais si, y a des raisons. La raison, c'est que c'est bloqué. Je suis obligé de passer par la maison. Sauf si je contourne. Ah, peut-être en passant par là, attends. On va essayer de contourner le problème. Ah, c'est super vite comme ville, non? Genre l'enfant est à l'école, on est sûr. On sait pas s'il est à l'école, l'enfant. Mais oui, c'est un peu vide, je suis d'accord. Mais il y a le monsieur qui veut nous vomir dessus, là. Je vais continuer à descendre. Pardon, monsieur, je vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà. Du coup, ça donne quoi là? Ok, on va descendre. Et pendant ce temps, un ou une instite fait des heures sup en attendant qu'on vienne chercher la petite Dolores et son lapin. Exactement ça. Oui, non, la map c'est là. Ok, on continue. Tous les coups, ça va être bloqué. Je vais devoir passer par le rampant là. Allez. Non, c'est très long avant de venir la nuit. C'est très très long. Alors, hop, on va continuer par là. Ah, mais il y a un trou là. Ouais, mais tout est fait pour que je passe par la maison chelou. Qu'est-ce qui arrive à son trou? Oh, bon, allez, retourne à la maison. Ça me saoule. Ça me saoule. Parce que c'est le seul chemin. S'essouffle vite, Malicia. Ouais, un peu. Bon, allez, on retourne à la maison bizarre. Et cette fois, on va essayer de battre le fer tant qu'il est chaud. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi il nous tape alors que il est marqué que je pouvais marcher doucement? Oh. L'asthme, c'est chiant. Ok. Ah, je sais pas si je passe par là. Il y a un deuxième poireau. Ah non, ici il n'y a pas de poireau. Mais je peux pas passer. Non, mais tout est fait. Ah, attends. Non, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, ouais, donc je suis vraiment bloqué en fait. C'est une fausse impression de map. C'est juste une ligne droite, mais faite de façon à donner l'impression que je peux pas piquer une boutonche, toi. Je m'en servir quand même. Malicia, c'est pas là que je clique. Malicia, tu vas où? Malicia, oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Elle vit toute seule. Elle vit toute seule. Ça y est, elle a pris le contrôle. Bonsoir, Mounir. Bon, bah, quand t'auras tout bloqué, tu me diras. Hein. Ok. Mais je t'ai pas demandé ça. Mais n'importe quoi. Allez, en route. Tu fais n'importe quoi. Allez, on y va. Allez, non, on parle pas pro. Oh, c'est bon, il est fatigué.
Ei, elle não vai a lugar nenhum mesmo. D'accord, ok, très bien. Allez, on y va. Colin d'utiliser les touches du clavier. Ça ne marche pas avec les touches du clavier. Ça ne veut pas, je vais te montrer. Alors attends, je vais cliquer là. Et ça... Je peux pas, je suis obligé d'utiliser la souris. Voilà. Prends les bouteilles, je pouvais pas. Je pouvais pas prendre les bouteilles. Du coup, c'est pas mal. Hein. C'est bien parce qu'elle prend des notes au fur et à mesure. Elle avait oublié de jouer un dialogue, donc elle y est retournée. C'est ça en fait. T'as raison, Flo. C'est exactement ça. Ça a été programmé pour pas passer le dialogue. C'est con ça, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, c'est con. Le M et la virgule. Oui, le M c'est la virgule, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des petits trucs non? Bon, tant pis. Je me suis dit que ça pouvait peut-être repopper. Hop. Putain, si t'as pas de souris, tu peux pas jouer au jeu. Hop. Donc c'est par là. On va marcher doucement, hein, comme disait le truc tout à l'heure. Peut-être que les touches sont programmées pour un clavier QWERTY. Oui, mais les flèches sur un clavier QWERTY sont les mêmes que sur un AZERTY. Voyons. Alors, attends, je vais allumer la lumière. Parce que ça me calme. Il m'attaque. Marche et pas de lumière. Ouais, je vais essayer ça. Allez, on reprend le miroir. C'est bien, c'est comme les Dead Boy Detectives, on traverse les miroirs. Oui, Malicia. Allez, je n'ai pas sommeil. Flippant! Écrit sur le livre? Ah oui, peut-être qu'il faudrait que j'écris sur le livre. Effectivement. C'est pas bête. Alors attends, on va éteindre la lumière. On va essayer ça. Ça a l'air de fonctionner. Ok. Du coup, inventaire. Utiliser. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Ah. Ah, je fais trop de bruit. Faut pas que je fasse de bruit. Faut que j'arrive à... Ah si, Ok. Faut que j'arrive à faire ça. Ah. Et sans faire de bruit. Truc. Ok, ça va être long s'il faut faire tout le tour. Hein. De droite à gauche, de gauche à droite. Non, non, plutôt de haut en bas. Hein, pour le coup. Je sais pas ce que je fais. Allez, allez. Mais d'où tu fais du bruit? Je sais pas. Juste une étape ultra stressante, c'est ça. C'est juste ça. Ça va prendre 1000 ans, mais clairement. Surtout qu'on va pas du tout expliquer ce qu'il faut faire. Je fais au feeling, non? Il va falloir vraiment faire tout le tour. On est d'accord. Putain, ça va être long. Yeah.
Je sais pas ce que je fais. De temps en temps, il y a un clic. Non, mais c'est qui c'est ça? Ah. I. T'as fait un quart, super. Hey, on y croit. Eh ben, heureusement qu'il nous entend pas, hein. Je vais essayer de faire... Non, ça marche pas plus. C'est très chiant. C'est... Vous avez créé un gameplay, un mini-jeu très très chiant. Très très chiant. L'absence de fun. Ne perds pas l'épingle. Faut pas la faire tomber. Voilà. Alors, je vais lire vos commentaires pendant ce temps. Mon père avait reçu une facture de Mintel de 400 francs parce que je cherchais des sous sur Zelda, mais je m'étais pris une belle soufflante. Bah oui, tu m'étonnes. Mais droite à gauche, ça ne fait rien. Tu vois bien. De droite à gauche, je suis bloqué. Voyons. Je veux bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand on joue aux jeux vidéo. Ah, ça a fait pok. Pire gameplay ever. Essaye de haut en bas. Oui, oui, non, mais oui, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Hein. Ah, ça a bien avancé là. Skyrim a presque 20 ans. Oui, c'est vrai. Et on attend toujours la suite. Ah, j'ai débloqué un truc. Ah. Allez. Oui, oui. Ah, il y a un truc par là. Là. Oula, oula. Putain, je trouvais que les trucs pour débloquer les serrures dans Hogwarts Legacy étaient chiants. Je m'excuse auprès d'Avalanche. Allez, tu tiens le bon bout. Oui, non mais il y a un truc par là. Hein. Oui, c'est vrai que ça semble un peu mieux quand je... On va ouvrir un placard à balai. C'est le stock de couverture. Ah. Faut pas mettre du C4. Bah non, parce qu'il y a le rampant qui va débarquer. Et ça va si non vous ? Les épingles, les serrures, tout ça. C'est, ça se passe bien dans la vie. Allez, faudrait finir avant de quitter. Allez. Ah, j'ai réussi à débloquer. Il y a l'autre qui gueule derrière là. Oui, on va y arriver. Ce sera la partie la plus longue de ce live. La serrure. Ah, on est bientôt prêt. On est bientôt. Allez, allez. Et là, l'épingle se pète. Et là, c'est pas le fun. Il semble que la pince ne soit pas utile, ne soit plus utile, j'imagine. Hop, allez. C'est une bonne situation, ça, épingle à cheveux. Je ne sais pas s'il y a bonne ou de mauvaise serrure. Tout s'est assombré d'un seul coup, que se passe-t-il ? Ça s'appelle la nuit. C'est assez fou, mais avec le temps que t'as perdu à ouvrir la serrure, Malicia, évidemment qu'il fait nuit. Tu t'attendais à quoi ? Est-ce que le drap va s'envoler ? On est caché. Ah non, 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 Malicia, reviens ! On n'a pas fini. Quoi ? Elle est où la porte ? Elle est bien cachée ? Ah, attends, il y avait un truc là.
Wesh. Mais... Ah. Je pense que je suis plus proche de l'école maintenant, je dois continuer à avancer. Bon bah tant pis. J'ai raté un truc, je pense. C'est pas grave. Alors, fais voir la map. Oui, on est pas loin de l'école. Bon. La torche, si tu veux, je mets un petit coup de torche. Mais après, faut que je fasse gaffe parce que je crois que... Non, il n'y a pas le niveau des piles, c'est bizarre. Pas le niveau des piles. Bon, je crois qu'on arrive près de l'école. Oui, nous sommes à l'école. Bonjour, c'est l'école. Allez, on va aller voir la gamine avec son lapin flippant. Ne joue pas ici, ouais, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a qui... Torche magique, oui. Torche magique. Du coup, j'imagine que là, voilà. J'ai pas de map. Effectivement, ça me paraît logique. En même temps. C'est coincé, ça ne s'ouvre pas. Voilà, un torche dynamo. Tu vas devoir tourner la souris pour fermer. Prendre des plombes, c'est possible. C'est possible. Bon bah, je vais par là. C'est pas un choix, ça. Bon, je vais boire un peu, parce qu'il se fait soif, quand même. Non, il y a des enfants, il y a des enfants qui rigolent. Je prends plus de courage. Hein. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Relâchez-le. Ah, ils ont piqué le lapin, je pense. Oh ben non, non, reviens. Reviens, petit enfant. Petit enfant. Arrête de crier, mais je crie pas fort, là. Si? Mais non, je crie pas fort. Ok, je vais faire attention. Je peux éteindre. Non, pourquoi je ferais ça? Pour faire peur à la gamine. Bon, on va voir ce qu'il y a là. Quand tu fais l'enfant si... Ah, quand je fais l'enfant, c'est un peu trop aigu, peut-être. Hop. Ah, ça pue, ça, non? Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? C'est chelou. C'est quoi? Pourquoi ça... Ah, je... Non. Oh, ok, chelou. Si j'éteins les miens, ça fait quoi? Absolument rien. Il y a des petites âmes noires qui sortent de là, je sais pas. Jour nuit, oui, bah ça va. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'utile ici. Mais qui te dit? Tu ouvres et après on discute. Putain, elle connaît pas le concept du pillage, elle. Hein. Ça va pas du tout, toi. Hein. Il te faut une formation en jeu vidéo. T'as sauvegardé? Je sais pas s'il y a des sauvegardes. Je pense qu'il y a des sauvegardes automatiques, c'est un jeu Steam. Je pense que ça sauvegarde automatiquement. Je vais vérifier, mais il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de sauvegarde. Trouver l'école et chercher des indices. Non, j'ai pas de sauvegarde. Donc je pense que le jeu sauvegarde automatiquement. Il y a un cadavre peut-être dans le frigo, c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc rose? Un métamorphe. Ah, ça a disparu. Ok. Alors attends, ça veut dire qu'il y avait des portes. Ah mais c'est de là d'où je viens, je pense. C'est pas le miroir à sourire, c'est possible. Bonne soirée, Océane. Ah mais attends, il y a des choses qui se passent en fait. Ah, c'est la cour de récré. Ok, qu'est-ce que ça dit ça? Ce sont des peintures d'enfants. Y a-t-il une forêt au sommet de cette colline? Peut-être. Peut-être qu'ils sont juste tarés, tous ces enfants. Ou peut-être qu'ils sont juste dans ta tête. C'est fermé? C'est ouvert. Ok. Ah! 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 Il y avait un petit extraterrestre là. Chelou. Salle d'attente, ok. Je sais pas du tout où je vais.
Infirmerie. Oh, très bien, infirmerie. On prend, infirmerie. On prend. Il y aura du sucre. Il y aura du sucre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trousse de premier secours en cas de blessure grave. Oui, je prends. Évidemment. Je pense qu'il y a quelque chose d'utile ici. Oui, merci, Captain Vius. C'est du bicarbonate de sodium. Eh ben oui, je vais prendre, on sait jamais. Sans que j'ai un inventaire vide. Créature moqueuse. Cahier couvert. J'aurais juré avoir vu une petite créature dans le couloir. Il semblait chercher quelque chose jusqu'à ce que, pendant un moment, je me fige. L'étrange créature sans yeux me remarqua. Est-ce qu'elle riait? C'était quoi ce bruit? Mon Dieu! J'ai couru à toute vitesse, laissant derrière moi. Elle semblait timide, indifférente à la lumière. De loin, j'entends encore son rire diabolique, comme si elle se moquait de moi. Je ferais mieux de rester près de la lumière et de me cacher à chaque fois que je pourrais. Ok, donc rester près de la lumière et courir vite, parce qu'elle a l'air timide. Hop, ça je prends. Il m'aide à me calmer, oui je prends. Vraiment plus que le vinaigre. En tout cas c'est plutôt sympa, même si un peu pénible la gameplay comme disait Flo. Ouais c'est ça. Mais c'est beau, c'est cool, je suis vraiment intrigué par qu'est-ce qu'on fout là en fait. Donc ça marche plutôt bien. Ah, j'ai encore relancé une interaction. Mais... Oui. Est-ce que ça me l'a mis en double? Il y a eu un bug, ça me l'a mis en double. Trop cool. Bon bah voilà, le bug qui fait plaisir. Ok. On peut se cacher dans les... Dans les trucs. Non. Ok. J'ai cru. Ah ah. Ah ah. T'as mal, hein. T'as mal, hein. Tiens. Ah, y'a pas de lumière. Y'a pas de lumière. C'est coincé, ça ne s'ouvre pas. Ah. Bouffe ta lumière. Casse-toi. Casse-toi. Ça ne s'ouvre pas, ok. Ah si, je peux me cacher. Tu m'as pas vu. C'était caché. Hop. C'était caché. Ah, il est de retour. Casse-toi. Mais il est tout petit, oui, on pourrait l'écraser. Mais on n'est pas comme ça. Allez, cours malicieux. Prends la porte. Ok. Hé. Tiens, allez. Cours malicieux. Cours pour ta vie. Cours pour ton fût. Voilà. Malicieux, t'as été trop loin. Lui un coup. C'est E.T. Bon, bah du coup, au moins on a trouvé l'infirmerie. C'était pratique. C'est déjà ça. Respire, Malicia, ça va bien se passer. On passe à la prochaine porte. Ça ne s'ouvre pas. Ah, prochaine porte. Qu'est-ce qu'on a? Quel drôle de dispositif. Il dégage une forte odeur. Je pense que c'est de l'alcool dans une école. Tout va bien. Le téléphone. Est-ce qu'on peut appeler un ami? Le téléphone est muet. Le fil électrique est coupé. Il n'a pas de ligne. C'est dommage. L'armoire est verrouillée. Une autre porte. Ah, verrouillée de l'autre côté. Bon. Du coup, enfin, au début, on a quand même bougé un arbre à la force de notre épaule, mais là, on n'arrive pas à ouvrir les portes, hein. Je tiens à le dire. Fontaine à eau, mais elle est vide. Ok. On peut se cacher. Est-ce que c'est une map de l'école?
A garotinha parecia assustada. Acho que ela deve ter parado por aqui. Je pense qu'elle a dû s'arrêter ici. D'accord. D'accord. Ok. J'ai le premier et le deuxième étage. Et donc elle pense qu'elle a été se planquer directement dans... ok, donc faut qu'on monte en haut, hop, et qu'on reprenne là, au là derrière le laboratoire de science, et on retombe ici. Ok. Et ben on va monter du coup. Trouver un moyen d'accéder à la cour de l'école. C'était pas où j'étais, la cour de l'école. Bon, écoutez, pour l'instant on va s'arrêter là, il est bientôt 23h, je vais m'arrêter là parce que comme je vous ai dit au début, je suis un peu fatigué, il faut que je continue le montage pour la vidéo de ce mois-ci, hein, et du coup, bah, on va s'arrêter là, voilà, je vais faire ça, oh, bizarre ça, ok, est-ce que j'ai bien arrêté le compte à rebours? Oui, c'est bon, ok. Eh ben non. Évidemment que je l'ai pas arrêté. Sinon c'est pas drôle. Oula, attends, ça bug. Il est où le compte à rebours? Luc. C'est mieux. voilà, sur ce, bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Moi je pense que je vais continuer, donc ça va. Tranquillou, on va reprendre les cultures gaming. Je pense que je vais continuer. Je sais pas combien de temps il va durer ce jeu, je pense qu'il doit pas être très long, ça doit être un mini-jeu. Mais j'aime beaucoup le style, en tout cas. Et votre progression, mon enregistreur, c'est... Ah, mais comment j'enregistre? Il me dit que ma progression, ça peut enregistrer. Bon, bah, écoute, on verra bien. On verra la prochaine fois. Oui, hop là. On verra bien. Je suis le seul à immédiatement penser à The Girl from Ipanema quand j'entends la langue brésilienne. Moi non, enfin j'y pense pas. C'est vrai qu'on n'aura pas eu de bug. Oui, bah écoute, ça s'affine. Mais j'ai toujours pas résolu le problème des sons qui se lancent pas sur le Stream Deck. Donc voilà. Ça a donné quoi du coup le sondage en fait à Adri tout à l'heure? Eh merci Leilani 972 qui a renouvelé son abonnement. Merci beaucoup. Et Nelfrael aussi, merci beaucoup. Voilà. Ouais, du coup, j'ai pas vu le sondage. Est-ce que j'ai le résultat du dernier sondage? 100% ours. Évidemment, 100% ours. Salut Géraldine, je vais partir. 100% ours, cette réponse. Ah, ça va. Ça va. Bon, messieurs, dames, sur ce, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce retour du Haut Culture Gaming. Je vous dis sans doute à la semaine prochaine, peut-être que ce sera Marie-Madeleine si elle se sent d'attaque, sinon ce sera remoi, ce sera sans doute sur le même jeu. Donc bah, écoutez, passez une bonne soirée. Pour les Twitchers, qui avons-nous à raider? Je vais regarder ça. Non. Bon, alors, je peux vous envoyer voir les chacals. Ils ont peut-être fini bientôt, je pense. À mon avis, ils ont fini bientôt. Est-ce que... La suite de trop, elle est plus en live. Non. Est-ce que Demoiselle d'Horreur est en live? Les chacals. Mais je sais pas à quelle heure ils finissent. Demoiselle d'Horreur n'est plus en live. Eh ben écoutez, je vous envoie chez les chacals. Passez-leur le bonjour de ma part. Enfin, de notre part d'ailleurs, à Marie-Madeleine et moi-même. Ils ont commencé avec du retard. Ok. Eh ben écoutez, hop, on va lancer le raid. Encore une fois, merci. Belle découverte de ce petit jeu. C'est rigolo comme tout. Avec les traductions mois sur 20. Et écoutez, passez une très bonne soirée, encore merci pour tout, et je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. Voilà, tout simplement. Est-ce que le bouton marche? Je sais pas. Ciao.